La Floride a été témoin d'un crime horrible lorsqu'un père a tué ses deux enfants avant de se suicider. Le père Humberto Christian Tovar Sabata, 41 ans, s'est rendu sur Facebook pour poster un selfie avec ses deux jeunes enfants sur lesquels il a abattu moins d'une heure plus tard avant de se braquer et de se suicider, selon le journal américain The Daily. Selon les autorités de l'État américain de Floride, le père a publié une photo de lui avec sa fille de 2 ans, Valeria Tovar, et son fils de 9 ans, Mathias Tovar, à 20h36 mardi. À 21h26, la police a été appelée pour une fusillade à Miami devant un complexe d'appartements. Les premiers intervenants sur les lieux ont découvert que Zapata et les enfants étaient déjà morts, selon la police de Miami-Dade. L'ex-épouse du suspect, qui est également la mère des enfants, a découvert les corps près de l'appartement. Les médias locaux ont rapporté que la mère était à la maison au moment de l'accident. Plus tôt dans la journée, selon la police, ils se sont disputés avec Zapata pour savoir où se trouvaient leurs enfants. L'épouse a déclaré à un média local qu'il souffrait d'une maladie mentale non traitée. Il n'était pas clair si le selfie partagé par Zapata avait été pris juste avant l'incident ou si le suspect avait utilisé une vieille photo.